Zoom aujourd'hui sur un petit légume d'hiver, léger et savoureux, le chou rave. Un légume un peu oublié qui gagne pourtant à être connu. Même si les consommateurs ont encore du mal à le reconnaître, la preuve sur ce petit marché d'Amiens. C'est un chou, la famille des choux, après lequel... Non, je sais pas, j'ai une colle. C'est du radis. Chou rave. J'en mange régulièrement, moi. Celui-ci est violet, il en existe des blancs. Et vous en avez pris, là, aujourd'hui? Et j'en ai pris un. D'accord. J'en ai pris un, et je vais le râper, faire une petite vinaigrette avec beaucoup d'ail, et le manger cru. Cru, cuit, froid, chaud, en entrée ou en plat, à l'approche du froid, vous pouvez surtout consommer ce chou rave sans modération. Une variété de chou à mi-chemin entre le navet, le radis et le céleri, que Théophile, maraîcher au cœur des mythiques ortillonnages d'Amiens, récolte en ce milieu d'automne. La différence entre violet et vert, elle est surtout esthétique, hein, parce que regardez, à l'intérieur, on est vraiment sur la même couleur. Ça va être de saison, par contre, le chou rave, il va être gélif. Donc il va falloir faire attention quand on commence à arriver sur la période hivernale, là où on a des températures négatives. Par contre, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le stocker. C'est-à-dire qu'on va lui retirer toutes ses feuilles, et puis on va lui laisser un petit peu de terre. On ne va pas le nettoyer, on va le stocker, et on va pouvoir le conserver pendant un certain temps. On va pouvoir le manger comme un radis, c'est un léger goût de noisette. Cuit, ça va se rapprocher plutôt du navet, donc c'est assez intéressant. Notre créneau, c'est plutôt le légume primeur. L'objectif, c'est d'avoir un joli petit chou comme ça, qui présente ses petites feuilles comme ça, histoire d'être un petit peu dans le romantisme. De la famille des légumes racines, l'histoire de ce chou n'a pourtant rien de romantique. Car au même titre que le topinambour ou le rutabaga, le chou rave fut énormément consommé pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc boudé par les Français. Aujourd'hui, ce légume originaire du sud de l'Europe, qui tire son nom du latin colorapa, en français chou navet, revient sur le devant de la scène culinaire. Dans les Hauts-de-France, il bénéficie d'un climat idéal et surtout d'un terroir typique de ses parcelles maraîchères entourées d'eau. On voit qu'il y a de la vie, hein, dedans. Alors, la terre qu'on a ici dans les ortillons, c'est une terre très noire. Donc une terre qui a été créée par dépôt de la Somme, tout simplement, une terre qu'on va appeler alluvionnaire, qui est du coup pleine de matière organique, donc ce qui est très très bon pour nos légumes. Le fait d'être entre deux bras de Somme fait que en fait, l'eau pour nous, c'est pas un facteur de réduction. Donc en fait, on en a à profusion et ça nous crée une sorte de microclimat qui fait que quand il fait très chaud en ville ou très chaud aux alentours, nous on a quelques degrés de moins et quand il fait très froid, on va avoir quelques degrés de plus. Cultivés ici en agriculture biologique, ces choux seront vendus le soir même sur le stand du marché que tient chaque semaine la ferme de Théophile. Juste à côté, Camille, elle, s'occupe de cuisiner de bons petits plats qui y seront vendus. Aujourd'hui au menu, évidemment, du chou rave. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est assez peu connu, assez peu utilisé. Et du coup, nos clients apprécient qu'on les travaille. Ça leur donne des idées et puis ça leur donne envie. Première idée recette, un tzatziki revisité où le chou rave remplace le concombre. Il faut y aller franchement. Pour commencer, Camille retire l'épaisse peau du légume, puis elle le râpe finement avant de le faire dégorger dans du sel pour en éliminer toute l'eau. C'est pour garder le maximum de saveur et le maximum de texture. Parce que oui, c'est important de sentir les fibres du légume et on perd moins de ces nutriments comme ça. Essentiel car ce légume très riche en fibres est aussi bourré de minéraux et de vitamines. Parfaite quand les températures commencent à chuter. Le chou rave est ensuite mélangé au fromage blanc. On va mettre de la ciboulette, de l'estragon, un petit peu d'ail également. Du sel, du poivre et voilà le résultat, un plat frais et bon marché. C'est parfait en apéro, en tartinade, sur du pain, des cakes ou même des crackers. Deuxième idée originale, mais toute simple, un wok de légumes fait d'oignons, de carottes, de poivrons et de chou rave, bien sûr. Je commence à les faire saisir avec un petit peu d'ail semoule, du miel de printemps. Je le laisse fondre avant de mélanger. Comme ça, il caramélise un petit peu. En parallèle, Camille cuit quelques nouilles chinoises dans un bouillon de légumes au gingembre. Et le tour est joué, voici un plat savoureux à l'accent asiatique, prêt comme le tzatziki à rejoindre les étals de Théophile sur le marché. Hop là, c'est bon pour toi? Attends, les champignons, tu les as. Ouais, j'ai pesé. Oui, c'est bon.
Et même s'il n'a pas encore une place de choix dans le cabas des consommateurs, le chou rave est de plus en plus prisé, un légume oublié que l'on se plaît à retrouver. Ça doit être une découverte que je vais prendre pour déguster, faire découvrir aux enfants qui adorent ces légumes un peu oubliés. Voilà.